pourquoi la prise de parole en public vous stresse autant? Par la peur d'être jugé ou encore par la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de votre public? Moi, Carrie on Coaching, metteur en scène du théâtre, vous propose les 5 règles d'or pour réussir à parler en public, de réduire votre trac et de transformer votre stress en énergie opérationnelle. Vous devez connaître votre public et votre contenu. Il n'y a simplement pas de substitut à une bonne préparation. Venez au moins 30 minutes en avance pour bien connaître la disposition de la salle. Vous devez surprendre votre public. Dites quelque chose d'inattendu, une citation, un fait, une question ou votre expérience personnelle, ou pourquoi pas une musique ou une vidéo, mais surtout jamais « bonjour, je m'appelle truc machin ». Simplement dit, le langage corporel est la façon de communiquer avec votre corps. La combinaison des expressions faciales, de gestes et de mouvements. 60 à 90% de notre communication est non-verbale. En général, les gens stressés, leur corps bloque et donc la compréhension devient bien plus difficile. Selon les individus, le timbre de voix est très différent, propre à chacun et ça ne varie pas. Il est très important de bien placer votre voix, c'est-à-dire le rythme, l'intonation, le volume, respirer et le silence. Il est très important parce qu'il laisse le temps d'assimiler tout ce que vous venez de dire. Un contact visuel est une invitation à transformer votre discours en conversation et créer un lien entre vous et votre public. Que ce soit un discours, une épreuve à l'oral, un entretien d'embauche ou toute autre occasion où vous avez besoin de faire une présentation. Moi, j'ai créé une méthode originale pour vous coacher en français et en anglais. Avec cette méthode, vous serez capable de galvaniser votre auditoire. Take care and carry on.